Aucun Jedi ne résistera face à vous. N'oubliez pas, la paix est un mensonge. Approchez, acolyte. Je n'entends plus rien à cause du vent qui souffle dehors et mes yeux sont fatigués et injectés de sang à cause de l'obscurité. J'étudie ce tombeau depuis des années. J'ai dormi sur ces pierres et rêvé de ses profondeurs. Maintenant, j'ai besoin d'aide pour résoudre son dernier mystère. On se connaît ? Je suis Ephran Zell. Depuis des générations, ma famille étudie les tombeaux de Korriban, allant de l'un à l'autre pour apprendre l'histoire des Sith. Ce tombeau est la dernière demeure de Tulak Horde. Le labyrinthe du tombeau a été construit selon ses indications. Mais il a conçu son labyrinthe pour qu'il abrite plus que sa dépouille. Il l'a conçu pour qu'il protège sa plus belle création. Sa terrible machine, le moteur rouge. Continuez. Quel moteur rouge ? Cette machine, c'était l'œuvre de sa vie. Une énigme parfaite qui cachait tous ses secrets. C'était un coffre-fort et une bibliothèque en même temps. Les savants de l'Académie disent que le moteur rouge n'a jamais été achevé. Ils disent qu'il n'a jamais fonctionné. Mais je sais comment il marche. Et je sais comment le nourrir. Que voulez-vous dire par « nourrir » ? Écoutez, n'importe qui peut activer le moteur rouge. Mais à moins qu'il reçoive son sacrifice, il tressaillira et mourra. La machine a besoin de sang et de haine pour être pleinement opérationnelle. Si un Sith pouvait tuer les bêtes du tombeau en sa présence, elle se nourrirait de leur mort. Trouvez la machine dans le tombeau et actionnez ses mécanismes. Et quand enfin elle révélera les secrets de Tulak Horde, je vous en supplie,
Apportez-moi les textes sacrés. Apportez-moi la connaissance dont j'ai rêvé. Thank you.
Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. J'ai besoin de vous, jeune homme. Quelle que soit la mission que votre maître vous a confiée, elle peut attendre qu'on en ait fini. Mon maître vous punirait pour votre impudence. Alors votre maître est un imbécile. Je suis l'inquisiteur Urint. Je m'occupe des opérations des services secrets des Sith. Nous détenons actuellement un prisonnier Jedi important. Un espion qui a essayé de s'infiltrer dans l'académie. Nous avons des projets pour lui. Quand on l'a capturé, on s'est aperçu que l'esprit du Jedi était facile à manipuler. On lui a appris de faux souvenirs grâce à un mélange de médicaments et de sorcellerie. Il va bientôt rejoindre ses chefs Jedi et leur faire part des mensonges qu'on lui a appris. Il n'aura aucune idée de ce qu'on a fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est organiser son évasion. Je vais m'en charger. Bien. Je suis contente que notre projet vous plaise. Vous êtes suffisamment jeune et suffisamment nouveau pour être crédible dans le rôle du traître. Vous irez voir le Jedi. Vous lui parlerez. Faites ce qu'il demande. Gagnez sa confiance. Quand ce sera fait, libérez-le. Faites le nécessaire pour le faire sortir de prison. Nous veillerons à ce qu'il rejoigne son vaisseau et à ce qu'il rejoigne ses amis Jedi sains et saufs. Je m'en charge. Vous trouverez le Jedi Corian Dorjis dans les cellules de la prison. Il est toujours un peu désorienté. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à le convaincre. Approche. Je suppose que tu as rempli ta mission. Je vais prendre l'holocron maintenant. Il est temps d'évaluer la pureté du sang de tes surveillants, de savoir dans quelle mesure les anciens survivent dans leurs veines. C'est ça, sûrement. Tu te moques de la source de ton pouvoir. C'est pitoyable. L'holocron, il devient blanc. Il y a si peu de sensibles dans toute l'académie, et un seul surveillant porte les marques rouges. C'est une honte. Je vais porter ça à l'attention du Conseil Noir. Il faut prendre des mesures si on veut que les vrais Sith survivent. En quoi consiste le plan ? Je suggère qu'on élimine et qu'on réduise en esclavage ceux qui ont le sang le plus clair, et qu'on élève les plus purs. Mais c'est le Conseil Noir qui prendra cette décision. Tu as fait du beau travail. Il est trop tard. Je ne peux pas revenir sur ta formation. Mais à l'avenir, peut-être que les acolytes s'agenouilleront au pied des Sith de sang pur. Réussi, hein. Vous avez les fragments du tombeau, et vous êtes en route pour rejoindre le seigneur Barras. Je n'ai même pas transpiré. C'est ce que je voulais entendre. Assez. Pardon, j'ai fait une erreur. J'ai essayé d'explorer le tombeau, mais il y avait trop de Chairac. J'ai failli ne pas m'en sortir. Je me suis dit que ce serait plus facile de vous tendre un piège,
et de prendre vos fragments. Mais je vois que c'est inutile. Vemrin est déjà à l'intérieur avec Barras. Tous les autres acolytes sont morts. Vous étiez mon seul espoir. Maintenant, je suis condamné. Je ne serai jamais un Sith. Si je ne ramène pas les fragments, Barras me tuera. Barras n'aura pas à vous écouter pleurnicher. Mourez! L'aspirant prodigue est de retour, avec tous les fragments du tombeau de Tulak Horde. Magnifique. On dirait que tes espoirs ont été réduits à néant, Vemrin. Les apparences sont parfois trompeuses. Pardonne Vemrin, aspirant. Il n'a pas apprécié que tu demandes à ses jeunes acolytes de l'attaquer, même s'ils n'étaient que des novices inexpérimentés. J'espère qu'il n'attend pas que je m'excuse. Un vantard comme lui risquerait de s'étouffer avec sa fierté. La tension est palpable entre vous. C'est une grande source d'émotion dans laquelle puiser. Je me demande ce qu'il se passera quand elle explosera. Vous êtes tous les deux à deux doigts de devenir des Sith. Mais un seul d'entre vous pourra posséder un sabre laser spécial et devenir mon apprenti. Je pensais que ce serait toi, Vemrin, mais j'ai changé d'avis. Quoi ? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, mieux que tous les autres. Cet honneur devrait me revenir. Ne faites pas attention à lui, Seigneur Barras. Son monde s'effondre autour de lui. Aujourd'hui, Vemrin est tout aussi bon que toi, mais tu es plus puissant dans la force, acolyte. Le pouvoir sommeille en toi. Le choix a été facile à faire. Maintenant, Vemrin, va m'attendre dans l'antichambre. Je te donnerai tes instructions. Tout de suite. Bien. J'espère que tu comprends la chance que tu as d'être sélectionné. Si tu deviens mon apprenti, la galaxie s'inclinera devant toi. J'ai hâte de commencer à tuer. Le sabre laser que tu dois trouver est vieux et puissant. Il se trouve dans une caverne interdite dans le tombeau de Nagasado. Peu de Sith s'y sont aventurés. Seule une minorité de personnes sait comment trouver l'entrée secrète. Mais on a arrêté une Twi'lek qui essayait de s'y infiltrer. Elle est au cachot. On m'a dit qu'elle est têtue. Emmène-la et force-la à t'indiquer l'entrée de la caverne interdite. Je m'occupe de ça. On a envoyé d'autres acolytes qui essaient de réussir leurs épreuves dans le tombeau. Les lois de l'Académie n'existent plus là-bas. Ils essaieront de te tuer. Cette épreuve décidera de ton avenir chez les Sith. Alors prépare-toi. Mettre un pied dans le tombeau de Nagasado, c'est déjà respirer la mort. M'amuse pendant que j'en ai encore le temps, esclave. Ah, quand on parle du loup, regardez qui revoilà. On dit que vous allez peut-être devenir l'apprenti du seigneur Barras. Un beau travail si vous arrivez à le décrocher. Alors je crois que vous allez me débarrasser de cette Twi'lek. Elle est insupportable. Qui est insupportable? C'est moi qui supporte ce collier électrique. Fais comme si c'était un cadeau d'adieu, Twi'lek. On dirait que tu peux servir à quelque chose, finalement. Cette personne va te conduire au tombeau dans lequel on t'a trouvé. Personne n'a trouvé comment activer les statues du tombeau pour ouvrir la caverne interdite, c'est ça? Vous avez des choses à faire dans cette chambre Sith secrète, c'est ça? Ça ne regarde que moi. Tenez, mon petit, prenez cette télécommande. Je vais augmenter la puissance. Si vous l'utilisez bien, elle vous montrera la maison de sa mère. Je devrais pouvoir jouer les guides de tombeau.
Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour ouvrir cette coquille, mais je devrais pouvoir le refaire. Que les choses soient claires, je me mets en grève quand on en vient aux tâches ménagères. Et si on testait le niveau maximum ? Aïe ! Ok, c'est pire ! Arrêtez ! Je vous montrerai les points de déverrouillage dans le tombeau et je vous ouvrirai la porte secrète. Passez devant. Supérieur, celui-ci est sûrement le plus effrayant. Puis-je vous parler un instant ? Bien sûr, Sentinelle. Je vous écoute. Merci. Je suis honorée que vous m'accordiez cette faveur. Il y avait un autre acolyte. Il est entré dans le tombeau il n'y a pas très longtemps, et il n'est pas ressorti. Il est mort dedans. La mort est un aléa de la vie.
Et j'ai bien peur que ce soit encore plus vrai sur Corriban. L'acolyte qui est entré là-dedans, c'était un brave garçon. Sympathique et bavard. Il a dit qu'il entrait dans le tombeau pour montrer de quoi il était capable à son père. Je me suis dit que ce serait bien si quelqu'un rapportait son corps et disait à son père qu'il n'a pas réussi. Oui, le père devrait savoir que son fils a échoué. Je ne survivrai jamais là-dedans. Et même si je survivais, on ne me laisserait pas voir son père. C'est un garde d'honneur noir stationné à l'académie. Seuls les Sith peuvent accéder au sol sacré qu'il surveille. Mais vous pourriez trouver le corps et le rapporter à son père. Je vous en prie, faites-le et honorez celui qui est mort vaillamment. Ce garde d'honneur noir a intérêt à ce que ça en vaille la peine. Merci beaucoup. Si vous trouvez le corps de l'acolyte dans le tombeau, prévenez-moi. Je vous dirai où trouver son père à l'académie. Bonne chance. Cet endroit est exactement dans l'état dans lequel je l'ai laissé. Toujours autant les jetons. Personne n'a intérêt à se frotter à nous maintenant. Yeah!
C'est là. L'entrée secrète de la caverne cachée est là. Laissez-moi me repérer. Prends ton temps, esclave. Le temps que j'achève ton maître, t'auras découvert l'entrée. Je ne peux pas dire que je sois surpris de vous voir, Vemrin. Vous êtes tellement prévisible. Mes passions sont plus fortes que les vôtres. J'incarne la véritable essence des Sith. Mon héritage attend depuis suffisamment longtemps. Plus personne se souviendra de vous. Vous mourrez ici. Et maintenant. C'était écrit. Est-ce que je suis arrivé jusque-là après avoir surmonté tant d'épreuves pour me rendre compte que je ne le mérite pas ? Quelle perte de temps. Finissons-en. Waouh ! Bien joué ! Ravi de t'avoir impressionné. L'entrée secrète est là. Cette aide m'a été précieuse. Un peu de reconnaissance, ça fait plaisir. Merci.
Vous l'avez trouvé, pauvre acolyte. Oui, un acolyte mort. Un. Son père, c'était Namanphal. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'un des gardes d'honneur noirs de l'académie. Si vous apportez la dépouille de l'acolyte à son père, je suis sûre qu'il vous en sera reconnaissant. J'imagine que ça peut toujours servir d'avoir des amis puissants. Vous trouverez le père de l'acolyte devant la chambre du Conseil Noir. C'est là qu'il monte la garde. Mon ami, pardonnez-moi, je suis très occupé par mes recherches en ce moment. Ah, mon ami, pardonnez-moi, je suis très occupé par mes recherches en ce moment. Vous trouverez pas mieux ailleurs. Revenez à l'occasion.
est en pleine forme. Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Revenez à l'occasion. Waouh, j'adore ça. Génial, merci. Tous les endroits consacrés à l'enseignement supérieur, celui-ci est sûrement le plus effrayant. Je vous connais, on s'est déjà parlé. J'ai les idées plus claires maintenant, Sid. Tout y est. Le comlink, mon sabre laser, tout ce que j'avais caché. Vous avez réussi. Avec tout ça, quand ce sera l'heure de la relève, je devrais pouvoir sortir discrètement de l'académie. Mais vous, ça va aller ? Rien ne me résiste. Si vous le dites. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites ça, mais merci. Je crois que l'heure est venue pour moi de partir. Si vous le dites, Sid, encore merci. Je suis navré que l'Empire vous ait enrôlé, et pas les Jedi. Dans d'autres circonstances, vous auriez peut-être pu appartenir à l'Ordre. Alors le Jedi prépare son évasion. Beau travail. Ce n'est pas parfait, mais je pense que l'opération sera un succès. Nous en avons terminé. Je mentionnerai votre aide dans mon rapport. Je ferai tout pour un Sith. C'est normal. Acceptez ceci en paiement de ce que vous avez fait, et sachez qu'aucun Jedi ne peut menacer Korriban. Maintenant partez. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes devant la chambre du Conseil Noir. Et cet étage est interdit à tous ceux qui ne sont pas des seigneurs des Sith. Si vous n'êtes pas là pour des raisons officielles, vous devez partir immédiatement. Je vous apporte des nouvelles de votre fils. C'est donc ça, cette odeur.
On raconte qu'il est allé dans le tombeau de Nagasado pour faire ses preuves, et qu'il a été tué. Il était tellement faible. Sa mort me fait honte, tout autant que sa vie. Quand j'ai appris sa mort, je n'ai pas pu quitter mon poste. L'honneur me l'interdisait. Mais j'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé là-bas. Ce ne sera pas gratuit. Si c'est ce que vous voulez, alors oui. Je vous donnerai quelque chose pour la peine. À présent, dites-moi, où avez-vous trouvé son corps? Mon misérable fils a-t-il réussi à franchir les premières marches? Finalement, est-il devenu un site? Il est mort à l'entrée du tombeau. Misérable, c'est bien le mot. Bien évidemment. Il n'a vécu que pour me ridiculiser. Je vais conserver ses os en souvenir de ma honte, et pour canaliser ma colère. Mais vous m'avez rendu service, et de tels actes méritent d'être récompensés. Vous m'avez apporté la douleur et le tourment. Je vais vous rendre l'appareil. Mon fils cherchait une relique située dans le socle d'une statue fissurée au fond du tombeau. Ce cristal la libérera. Partez maintenant. Assassin ! Mon père était un traditionnaliste et il était très dur avec moi. Mais c'était mon père. Vous imaginiez pouvoir le tuer et vous en sortir comme ça ? Je n'avais que faire des conséquences. Alors vous ne le niez pas. Vous l'avez tué. Comment j'aurais pu avoir cette bague autrement ? Je vais arracher cette bague de votre corps encore chaud. Je vais ajouter votre bague à ma collection. Vous allez regretter le jour où vous l'avez tué. À l'attaque ! Je n'en reviens pas. Non seulement tu as réussi à faire coopérer la Twi'lek, mais tu as rempli ta mission et tu as récupéré le vieux sabre laser. Vemrin n'était pas dans ma chambre comme je le lui avais ordonné. J'imagine qu'il a essayé de t'arrêter et de s'emparer de la vieille arme. Il a essayé et il a échoué. Vemrin n'était rien, sans parler de son honnêteté. Bravo. Je vois que tu deviendras peut-être l'un des Sith les plus puissants de la galaxie. Tes épreuves sont terminées. À présent, tu es mon apprenti. Je suis votre humble serviteur, maître. Je m'incline devant vous. Lève-toi, apprenti. Ce n'est que le début. Avec toi à mes côtés, je vais terroriser les ennemis de l'Empire. Je dois rencontrer l'Empereur et l'informer de tes progrès. Cette navette te conduira sur Dromund Kaas. Retrouve-moi à la citadelle. À vos ordres, Excellence. Prends l'esclave Twi'lek en cadeau. Fais ce que tu veux d'elle. Si elle peut te servir d'une manière ou d'une autre, emmène-la avec toi sur Dromund Kaas.
Thank you.